Je suis Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens pour un book haul. Le book haul de mars 2017 qui a été chargé. Pas le mois de mars qui a été chargé. Les achats. Il y a 23 livres. Ah, je crois au total 23 livres. Sachant que j'avais commandé il y a le mois dernier ou le mois d'avant, j'avais commandé un livre pour une lecture challenge avec Upton Books ou quelque chose comme ça que je n'ai toujours pas reçu. Donc je vous parlerai de ça. En attendant, je vais commencer par la pile des livres que j'ai achetés en grande surface. J'avais commencé à lire et puis j'ai arrêté parce que j'arrive pas à m'immerger dans cette histoire. Alors, nous avons là Bernard Werber, le sixième sommeil. Phase 1, assouplissement. Phase 2, sommeil léger. Phase 3, sommeil lent. Phase 4, sommeil très profond. Phase 5, sommeil paradoxal. Phase 6, le sixième sommeil, celui de tous les possibles. Imaginez qu'au plus profond d'un rêve, vous puissiez revenir en arrière et rencontrer celui que vous étiez 20 ans plus tôt. Imaginez que vous ayez la possibilité de lui parler. Que lui diriez-vous ? Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Vous voyez, j'ai mis un papier parce que j'ai eu le même problème avec un autre bouquin. J'ai lu 134 pages et je n'ai pas réussi à m'immerger dans l'histoire. Donc du coup, j'ai laissé un petit peu tomber pour le moment. Je suis désolée pour les créneaux. Ensuite, nous passons à Tony Maguire. Il y en a deux du... Voilà. Ne le dis pas à maman. J'avais confiance en l'amour de ma mère. Elle lui dirait d'arrêter. Elle n'en fit rien. L'histoire bouleversante d'une petite fille face à l'inceste et à la trahison. Ils ont volé mon innocence. Un bâtiment gris sombre effrayant dans les souvenirs de Madeleine. C'est ainsi qu'apparaît l'orphelinat où elle a été placée dès son plus jeune âge. À 5 ans, le cauchemar et quotidien pour la petite fille sans défense. Le directeur de l'établissement abuse d'elle comme si elle était son jouet. « Ne dis rien, personne ne te croira, une sale gamine comme toi », dit-il à Madeleine qui, terrorisée, se tait. Pire encore, dans cet orphelinat de l'horreur, les enfants sont vendus à des hommes qui leur font subir d'épouvantables services. En toute impunité, sans que personne s'en émeuve, parce que ces enfants sans parents sont considérés comme des moins que rien. Le récit d'une enfance volée par Tony Maguire, auteur du best-seller Ne le dis pas à maman. J'ai entendu que c'était deux romans qui étaient très 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 durs à lire, mais ce sont deux ouvrages que j'avais envie de lire beaucoup. Celui-ci, ça fait déjà un moment que j'avais l'œil dessus et je l'avais toujours pas acheté, donc du coup j'en ai profité pour l'acheter. Ensuite, un autre, Stephen King, Joyland. J'avais acheté Monsieur Mercedes de Stephen King, qui était mon premier Stephen King, et du coup j'avais envie de réitérer l'expérience avec Stephen King, et donc j'ai pris Joyland. Les clowns vous ont toujours fait un peu peur? L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse? Alors un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. Il y a Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugouin. J'ai vu une booktubeuse, MH la lectrice, faire une review dessus et elle a été déçue. Alors du coup, j'espère que moi je ne serai pas déçue parce que le titre me parlait pas mal.
Alors, Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige, elle en a à l'exception de son cœur qui continue de battre obstinément, douloureusement, inutilement. Égarée dans les limites du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage, elle décide de s'exiler en Irlande seule. C'est vrai que l'histoire n'a pas l'air d'être folle-folle, mais le titre me parlait plutôt bien. Encore désolé pour l'écrit. Solange te parle. J'ai survolé le bouquin et il semblerait que ce soit les textes de ses vidéos. Très intime de Solange dont elle a fait des témoignages et en a créé un roman. Donc je ne l'ai pas lu. Et le résumé ne nous indique rien de spécial. Ensuite, nous avons Interdit de rire, une histoire à raconter. L'affaire Dieudonné racontée par ses avocats. Il n'y a rien à dire de plus dessus, c'est biographique, c'est voilà. Ensuite, nous avons un roman de... enfin un roman. Je sais pas trop comment ça se dit, la théorie du roman. Donc cet essai esthétique du jeune Lucas met en rapport les grandes catégories du genre romanesque et les étapes de l'histoire occidentale des romans de chevalerie à Flaubert, Tolstoï et Dostoïevski, en passant par Cervantes, les grands romans correspondant aux idéaux qui ont commandé l'histoire de l'Europe. Il s'agit au moins d'une sociologie de la littérature qu'une réflexion sur la philosophie des formes et sur les enchaînements historiques depuis la tragédie grecque et le genre épique jusqu'à l'aube de la réflexion littéraire contemporaine. Passons aux occasions. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que donc j'ai lu et reçu La cicatrice de Bruce Lowery. Donc un petit garçon qui change d'école, qui a du mal à se faire accepter à cause de son bec de lièvre, et qui va voler le seul ami qui l'a accepté, Willy. Et donc va s'ensuivre une histoire suite à ce vol, à ce qu'il ressent, etc., etc. Ce livre était super bien, moi je l'ai adoré. J'ai dû replacer un petit peu mes trucs, j'ai cru que mon étagère allait tomber. Continuons dans les occasions. Première occasion, essayer de me refaire une petite collection Marcel Pagnol. Donc, hop, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets et Le temps des amours. Donc c'est une suite. Donc on commence de lire par le... On commence à lire par La gloire de mon père, Le château de ma mère, et là, voilà. De toute façon, hein, c'est dans le livre. Donc c'était une occasion de relire des livres scolaires, parce que moi je me souviens, je les ai lus à l'école. Et c'est comme ça que j'ai découvert Marcel Pagnol et que je suis devenue très 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 fan de ses écrits. Mais je ne connaissais que ça, parce que nous avions étudié les livres et le film qu'on avait regardé en fin d'année scolaire, je crois, en troisième, je crois qu'on avait fait ça. J'avais pris La petite fille aux yeux sombres et donc je ne connaissais pas du tout celui-là. Ils sont trois, ils sont amis, ils ont 20 ans. Nous sommes au début de ce siècle et Marseille était alors, et elle est encore, une des plus belles cités du monde. Le premier s'appelle Louis-René Pelluc, il est gardien au jardin zoologique. Le deuxième s'appelle Félix-Antoine Grinset, il est poète et philosophe, c'est-à-dire qu'il tire longuement sur sa pipe et ne fait rien. Le troisième, qui a trouvé un travail approximatif chez un éditeur, s'appelle Jacques Panier. Cette histoire est son histoire, celle des premiers amours de Jacques Panier. L'amour est-il un piège que nous tend le génie de l'espèce aux seules fins de se perpétuer? C'est ce que pensent Pelluc et Grasset. C'est aussi l'idée de Jacques Panier qui a juré que l'on n'y prendrait pas. Mais les plus belles idées ne pèsent pas lourd contre la nature. Et comment rester philosophe quand on voit passer tous les jours à la même heure discrète, silencieuse et timide une petite fille aux yeux sombres? J'ai eu la meilleure, meilleure, meilleure des occasions sur Cdiscount. Même si je ne suis pas sponsorisée et que je ne gagnerai pas d'argent pour leur faire de la pub, je tenais à le dire quand même sur Cdiscount. J'ai réussi à trouver
L'occasion, c'était des livres qui étaient à 1 centime. Je n'ai payé que le frais de port parce que tout ça, ça m'a coûté 10 centimes. Et plus le frais de port qui était à 2,99€, donc ça faisait 3,09€ je crois. Donc pour les livres, c'est pas une blague hein. Donc j'ai pris donc Marcel Pagnol, toujours, on reste sur l'air Marcel Pagnol, Jean de la Fleurette. Donc c'est l'histoire d'un crime et de son châtiment, d'un drame, d'une vengeance, d'une tragédie familiale. Un conflit des cœurs purs et des âmes fortes opposant un jeune citadin plein de fraîcheur et d'enthousiasme à deux paysans âpres, sournois, fermés, implacables. Peinture exacte, magnifique, des hommes, de la terre, chant du monde, poème de l'eau, du vent, des saisons, des collines, Jean de Fleurette et Manon des Sources. Je n'ai pas encore acheté Manon des Sources, mais c'est en projet. Sans tout cela, ils sont beaucoup plus que cela. Je vais ranger Marcel Pagnol. Non, la plupart, c'est des livres que je ne connaissais pas et que du coup j'avais envie. Merde, j'ai presque plus de batterie. Et que j'avais envie d'acheter, soit parce que j'en avais entendu parler ou soit parce que bah, le prix était bien. Mais dans cette commande des 10 livres, en fait, je me suis trompée. J'ai cru que ceci était un roman et en fait, ce n'est pas un mini-roman. C'est un espèce de dictionnaire, donc ça s'appelle l'américain sans interdit. Et en fait c'est un manuel d'argot. Ensuite c'est un livre que j'ai voulu revoir parce que je l'avais lu à l'école et il me semblait que je l'avais encore et en fait je l'ai plus du tout. C'était Vendredi ou la vie sauvage et voilà. Donc tout allait bien d'apparence, Lys prospérait au soleil avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers et la maison qui s'est... diffiait de semaine en semaine. Vendredi travaillait dur et Robinson régnait en maître. Ten, qui veillait, faisait des siestes de plus en plus longues. La vérité, c'est qu'ils s'ennuyaient tous les trois. Vendredi était docile par reconnaissance et voulait faire plaisir à Robinson qui lui avait sauvé la vie. Mais il ne comprenait rien à toute cette organisation, à ses cordes, à ses cérémonies et même la raison d'être des champs cultivés, des bêtes domestiquées et des maisons lui échappaient complètement. Ensuite, Madeleine Chapsal, Suzanne et la province. Donc Suzanne est une parisienne qui se réfugie en province pour oublier la mort de son mari. Là, elle rencontre Marcelin, un éleveur, un homme tranquille auprès duquel elle va bientôt connaître un nouvel amour. Caisse montée. Et les deux romans sont des romans d'amour. Et ce qui est étonnant parce que je suis plus très roman d'amour moi. Donc la pièce montée arrive sur un plateau immense porté par deux serviteurs. Vincent voit osciller au rythme de leur marche cette tour de Babel en chou à la crème, surmontée du traditionnel couple de mariés. Il se dit « C'est moi, ce petit bonhomme tout en haut, c'est moi ». Il se demande qui a pu inventer un gâteau aussi ridicule, cette pyramide grotesque ponctuée de petits grains de sucre argenté, de feuilles de pain azyme, vert pistache et de roses en pâte d'amande. Cette monstruosité pâtissière sur son socle de nougatine, et ce couple de mariés perchés en sommet. Qu'est-ce qu'il symbolise au juste? Guillaume Musso et après. Donc je ne connais pas du tout. J'ai entendu beaucoup de gens dire que Musso était pas trop mal. Donc à 8 ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la mort imminente, plongeant dans un lac pour aider une fillette. L'enfant s'est noyé. Arrêt cardiaque, mort clinique et puis contre toute attente, de nouveau la vie. 20 ans plus tard, Nathan est devenu l'un des plus brillants avocats de New York. Il a tout oublié de cet épisode traumatisant. Il a même fini par épouser la petite fille du lac, Mallory, sa femme qu'il a passionnément aimée, puis qu'il l'a quittée et qui lui manque comme au premier jour. Mais Nathan ignore que ceux qui reviennent de l'autre côté ne sont plus tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, il connaît la réussite, la notoriété et la prospérité. Il est temps pour lui de découvrir pourquoi il est revenu. Un classique. Honoré de Balzac, le père Goriot. J'ai vu sur des résumés que c'était par celui-là qu'il fallait commencer. Donc Rastignac resté seul fit quelque part vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement, couché le long de deux rives de la Seine où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre les colonnes de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où il vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnant un regard qui semblait par avance empomper le miel et dit «
ces mots grandioses à nous deux maintenant. J'ai oublié de dire de les éditions desquelles ça venait. Donc celui-là, c'est Folio. André Brinks, Rumeur de pluie, que je ne connaissais pas du tout, encore une fois. Martin Minhard, c'est l'homme qui a tout. Brillante situation, jolie femme, suffisante, maîtresse, deux enfants, sécurité, c'est l'Afri-scanner type, l'homme blanc sûr de lui, destin totalement aveugle à la réalité qui l'entoure. Et pourtant, il suffira de 3 jours à peine pour que l'univers de Martin bascule et s'effondre. Ce que Martin aimait le plus, confondant tranquillement amour et possession, amour et domination, s'éloigne de lui dans les terribles remous de la réalité politique sud-africaine. Et en dernier, non pas dernier, et en avant-dernier, nous avons Marc Lévy, Les enfants de la liberté. En fait, ce qui m'a fait acheter ce livre, ça a été la couverture de cette petite fille qui court dans un champ avec un avion dans la main et qui pour moi symbolisait donc la liberté. Édition Pocket avant que j'oublie. Le résumé, c'est on est tous à l'étranger de quelqu'un. Jeannot, tu leur diras de raconter notre histoire dans le monde libre. Que nous nous sommes battus pour eux. Tu leur apprendras que rien ne compte plus que sur cette terre que cette putain de liberté capable de se soumettre aux plus offrants. Tu leur diras aussi que cette grande salope aime l'amour des hommes et que toujours elle s'échappera à ceux qui veulent l'emprisonner, qu'elle ira toujours donner la victoire à celui qui la respecte sans jamais espérer la garder dans son lit. Dis-leur, Jeannot, dis-leur de raconter tout cela de ma part, avec leurs mots, ceux de leur époque. Les miens ne sont faits que des accents de mon pays, du sang que j'ai dans la bouche et sur les mains. Et en dernier, et c'est celui que j'ai commencé à lire depuis pas très longtemps, qui est Boule de Suif de Maupassant. Donc Boule de Suif de Maupassant, que j'ai commencé à lire et qui... Au départ, j'ai acheté ce livre pour le titre qui m'a fait à une recette du Nord que ma mère faisait et qui s'appelait Boule de Suif. Et en fait, quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai été surprise de lire que l'histoire se passait en Normandie pendant la guerre. Pour l'instant, je peux dire que ça. Donc, et qui plus est, là où je suis née. Enfin, je retrouve le lieu où je suis née, donc la région d'où je viens. Et par le titre, donc la recette de ma mère. Donc je pense que ce livre va me rappeler des souvenirs. Enfin, je sais pas. Je vais lire Maupassant Boule de Suif. Donc j'ai commencé, j'ai pas lu grand chose. Je ne lis pas très très. C'est tout pour ce book haul de mars 2017. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Clochette Kelly, les petites histoires Clochette Kelly sur Facebook. Et voilà, tout ça. Si vous avez lu un de tous ces livres-là, et partageons des livres, lisons beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Des bisous. Annyeong.